vous parler de trois sites asiatiques. Les trois sites m'ont envoyé des vêtements et je voulais vous en parler parce que j'ai eu des très belles surprises. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de trois sites, notamment Shein. Vous savez, si vous avez l'habitude de me suivre, que je les adore. Si vous débarquez, sachez que c'est mon site de vêtements asiatiques préféré. Honnêtement, parce qu'ils sont super bien placés au niveau des prix, ils ont une super bonne qualité, ils ont un choix de folie. Donc c'est vraiment mon site préféré. Et ensuite, il y a Romwe et Yeons. Si vous filmez des vidéos sur YouTube et que vous passez par là, vous pourrez le confirmer en commentaire, s'il vous plaît. C'est vraiment pas une par prétention que je vais vous raconter ça, mais les sites asiatiques de vêtements, une fois qu'ils vous repèrent sur la toile et qu'ils veulent vous envoyer des vêtements, ils vous lâchent plus. C'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer des mails et des mails et des mails jusqu'à temps qu'ils aient une réponse positive. Et notamment pour Yeons et Romwe, ça a été ça, sans mentir, hein, sans prétention aucune, comme je vous ai dit. Ils m'ont contacté au moins une dizaine de fois chacun avant que je leur donne une réponse positive et d'accepter. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'attends de tout recevoir et je vous en parle dans une vidéo. Au départ, je voulais pas. Parce que, comme j'adore Shein, j'avais trop peur d'être déçue. Et puis après, je me suis dit, ouais, c'est bon, on accepte, on teste. Et comme ça, moi, je pourrai en parler aux filles, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et on partagera toutes nos expériences en commentaire, ça peut être sympa. Donc, je commence par ce que j'ai reçu de Romwe, parce que ça a été un gros coup de cœur. Je vous ai posté une photo sur Instagram, vous avez adoré. Je suis sûre que vous allez toutes aimer. J'ai reçu ce sac-là de Romwe, donc c'est un sac noir en simili-cuir. Il est comme ceci. Alors voilà, il a une petite anse, moi je l'ai doublé, mais vous pouvez très bien voilà, l'allonger et ça vous fait un sac vraiment grande bandoulière, quoi. Il est super classe, franchement. Moi je l'adore. L'ouverture est super simple, vous pressez les deux morceaux ici, hop, et vous ouvrez le sac. Et alors l'intérieur du sac, bon là c'est un petit peu le bordel, hein, j'ai des tickets et tout, comme toutes les filles. Mais l'intérieur du sac est rouge, c'est hyper classe, vous avez une petite pochette. Alors vous n'avez pas de petits endroits où mettre votre téléphone, etc. Vous savez comme dans les autres sacs, il y a juste un petit rabat ici qui ne sert pas à grand chose, parce que franchement il ne s'écarte pas beaucoup. Mais voilà, franchement pour un sac à ce prix là, je vous mettrai tous les liens en barre d'information, comme ça vous pourrez aller voir. Là je dis oui, franchement Romwe, on y va. Ensuite, toujours chez Romwe, j'ai reçu le sweat que je porte. Enfin je pensais que j'allais recevoir un sweat et en fait pas du tout. C'est un espèce de petit pull, la couleur est la même, par contre il était rose pâle sur le site, il est rose pâle en vrai. J'espère que vous vous rendrez bien compte de la couleur. Même si aujourd'hui je parais méga blanche etc, mais en même temps je suis face à la fenêtre et il fait super gris. Donc je sais pas comment vont ressortir les couleurs, mais en tout cas voilà. Sachez qu'il est rose pâle, je vais vous montrer un peu de plus près la matière. Voilà, il est super doux, super molletonné, bien chaud. Et en fait, le détail, c'est au niveau des manches, quoi. Franchement, c'est pas magnifique. C'est les manches qui font tout. Vous mettez ça rien qu'avec un petit jean noir ou un petit pantalon noir, top. Il tombe bien long, il est bien chaud, il ne nécessite pas d'être passé. Voilà. Et voilà, donc là, grosse découverte du site Romwe. Franchement, j'ai kiffé et je vais recommander. Et si jamais il me recontacte pour faire un autre partenariat, bah j'en referai un, comme ça me permettra de vous montrer plein d'autres vêtements, de tester, parce que là j'ai juste testé un sac à main, un pull, j'ai envie de tester leur robe, leur pantalon, leur jupe pour me faire une idée plus vaste du site Romwe, quoi. Chez Shein, donc j'ai reçu cette robe qui est très jolie. Maintenant c'est vrai que j'ai du mal avec les robes larges et comme ça en fait, j'ai plus l'habitude des robes près du corps ou des robes cintrées sous la poitrine qui partent forme patineuse. Donc on verra bien, pour l'instant je ne l'ai pas encore portée. Tout ce que je peux vous dire c'est que je l'ai lavée et qu'elle a résisté à mort, parce que je vais vous montrer un petit peu le système. Donc c'est une robe comme ceci, voilà, un petit peu côtelée, vous en rendrez bien compte. Je la voyais beige sur le site, en vrai je ne sais pas trop de quelle couleur elle est. Je ne sais pas si elle est rose ou beige, vous me direz un petit peu. Bah là par rapport à mon pull elle paraît beige, hein. Mais sinon en vrai je ne sais pas. Mais en tout cas la couleur est très jolie, elle est vraiment longue. Elle m'arrive juste au-dessus des genoux, donc c'est parfait, voire sur le genou. Et au niveau des manches, c'est ce qui fait tout le charme de cette robe. Je vais vous montrer. Elles sont bouffantes et elles sont trop belles. Elles sont bien longues. Voilà. Elles sont resserrées à la fin. Et en fait, elles sont bouffantes ornées de petites perles comme ça. Donc c'est très joli et c'est super à la mode. Surtout, vous savez qu'en ce moment, les perles, ben, on en parle partout. Et je vais vous montrer ce qui est top et ce qui prouve la qualité de Shein encore une fois. C'est ça. Voilà. Ça c'est l'intérieur de la robe, je vais essayer de vous faire un focus, voilà. Ça c'est l'intérieur de la robe, et le petit détail en métal que vous voyez ici, en fait c'est la fixation de la perle. Donc c'est pas cousu, c'est pas collé, c'est pas je ne sais quoi. C'est vraiment clipsé dans la robe. Donc même si vous lavez la robe, même s'il vaut mieux la laver à l'envers je pense, pour éviter que les perles se prennent dans d'autres vêtements et que ça abîme la robe, elle bouge pas. Voilà, je l'ai déjà lavé comme je vous ai dit, les perles n'ont pas bougé, elles ne sont pas décollées, elles n'ont pas abîmé de maille ni rien du tout, donc c'est
encore une fois top. Toujours pour rester dans les perles, parce qu'en ce moment j'ai de la grosse folie des perles, parce qu'on en voit partout, donc ça me hante un petit peu. J'ai pris ce gros gilet comme ceci. Donc c'est un gilet tout simple, mais il est très ample et assez long, et c'est ce que je voulais, voilà, un gilet un peu doudou, un petit peu plaid, quoi, un petit peu super confortable que vous pouvez porter avec tout, mine de rien. Et toujours pareil, voilà, donc là vous avez des manches un petit peu chauve-souris, et vous avez sur tout l'avant du gilet des perles et des grosses poches. Et alors le système des perles c'est toujours le même, c'est la même petite attache, donc c'est encore clipsé, donc pas de problème. Celui-ci par contre j'ai déjà porté plusieurs fois, donc lavé plusieurs fois. Encore une fois les perles nickel et les attaches top. Voilà. Donc vous vous rendrez compte je pense en vidéo de la qualité du gilet quoi. Franchement génial. Pour ce petit gilet c'est bon. Ensuite, j'ai commandé une petite jupe comme ça, que j'adore. Je crois que c'est le motif tweed, mais je saurais plus trop vous dire, mais ou prince de Galles, je sais plus exactement. Reprenez-moi dans les commentaires, mais elle est trop belle, ça revient à la mode. Enfin, moi, je l'adore, cette jupe. Je la trouve trop bien coupée, parfaite. C'est une mini-jupe. Enfin, une mini-jupe qui est quand même de longueur correcte. Voilà. Elle se zippe comme ça sur le côté, donc la fermeture marche très très bien. Elle est assez épaisse, elle est de bonne qualité, sans être trop épaisse non plus, hein. On peut bouger dans la jupe, vous voyez, elle est quand même assez fluide. Et vous avez le petit pan de devant là, avec les petits volants qui est super joli et qui donne de l'allure dans cette jupe. Donc personnellement, je la porte avec un col roulé noir, rentré dans la jupe et c'est topissime. Voilà pour cette petite jupe de super bonne qualité. Et pour finir avec Shein, j'ai commandé cette petite blouse que j'ai déjà en kaki, que vous avez adoré et que moi j'adore aussi, c'est pour ça que j'ai pris cette fois-ci en bordeaux. Elle ressort rouge foncé à la caméra, mais en fait elle n'est pas du tout de cette couleur là, elle est plutôt lit 20 prune. Je pense que vous voyez toute la couleur dont je veux parler. Elle est trop belle, excusez-moi elle est pas repassée, mais bon hein, on se rendra bien compte de la coupe avec les manches bouffantes comme ça resserrées au bout. Et en fait au niveau du col, bah vous la portez comme ça. Elle est vraiment collée au cou, c'est super joli, c'est super classe. Ça peut se porter tous les jours avec un petit jean ou un peu plus habillé avec un petit pantalon noir ou une jupe ou enfin vraiment ce que vous voulez. Ça se porte vraiment comme on veut ce genre de choses. Et pareil, super bonne qualité. Elle n'a pas d'étain au lavage, rien du tout. Donc je suis trop contente. Bon, j'ai baissé la luminosité, je pense que c'est mieux parce que là le temps est de plus en plus gris blanc. Donc c'est hyper moche. Donc je vais finir avec Yoins. Et alors là, Yoins, les filles, il fallait absolument que je vous en parle. Alors déjà, ils m'ont envoyé que deux articles. Entre guillemets que deux, parce que c'est vrai que Shein il m'envoie beaucoup plus de vêtements et du coup on peut se faire une idée plus rapidement. Avec le site Romwe j'ai pu me faire une bonne idée parce que, enfin une bonne idée, donc le site Romwe j'ai été contente des deux articles. Sur celui-ci j'ai un coup de cœur et quelque chose qui me plaît pas du tout et donc je suis déçue de la qualité, donc je vais vous en parler tout de suite. La chose qui me plaît pas du tout chez Yoins c'est ce pull, voilà. Alors sachez que moi je prends un S, hein. C'est du S. LOL. Franchement, c'est pas du S, c'est du L peut-être. Alors sachant que ce pull là, donc il a grosse maille, il est super chaud, il est très joli. Hein. Mais alors par contre, je l'ai lavé une fois, il s'est détendu à fond, mais vraiment. Et c'est pas normal, c'est pas ce pull là qui est comme ça, ça vient pas du pull, ça me fait enfin. Si ça vient du pull, mais on va dire que ça vient vraiment du site. Parce que ce pull là je l'ai également en blanc, que j'avais reçu du site Shein. Et il est nickel, il a pas bougé et je le porte tout le temps. Donc je peux vous dire que je l'ai lavé plein de fois, il a pas bougé, il s'est pas détendu, etc. Celui du site Yoins, voilà dans quel état il est. Donc j'ai testé celui-ci parce que je me suis dit, bon déjà je le voulais en une autre couleur. Donc je me suis dit en rose pâle comme ça c'est très joli. Par contre voilà quoi, du coup je suis obligée de le porter sur une... Voilà une épaule dénudée c'est pas moche, hein. C'est pas non plus un truc de fou. Mais voilà. Comme quoi la qualité n'est pas du tout la même et en plus je l'ai reçu avec une petite maille sortie. C'est pas la mort mais c'est pas la même chose que Shein quoi. Et pour finir, ça par contre c'est quelque chose que je voulais depuis super longtemps et de très bonne qualité je trouve. C'est un petit kimono comme ça en soie, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est pour se lever le matin les filles, hein. C'est pas pour porter tout seul avec une jupe, enfin avec des collants et des talons. Hein, vous portez ça à la maison, en pyjama, enfin par-dessus votre pyjama. C'est manche qui arrive au coude, voilà. Et il est super joli. Et je trouve ça super élégant pour se lever. C'est pas le petit pyjama dégueulasse ou la petite combi toute moche, même si on aime tout ça, hein, on est d'accord. Mais
quand on a envie d'être plus jolie au réveil ou de se faire un petit plaisir, de se sentir belle dès qu'on se lève, et ben voilà, je trouve que le kimono c'est top. Moi en tout cas j'adore, c'est super confortable, c'est pas de la soie je pense pas, mais en tout cas la matière est super agréable. J'ai un pyjama aussi comme ça et je trouve ça trop agréable pour dormir et tout. J'attends vos commentaires, dites-moi si vous avez testé Yoin, si vous avez testé Romwe, ce que vous en avez pensé et partagez vos expériences, on verra bien. Je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao.